10h vendredi matin, James Monty vient accueillir son nouveau cuisinier français. Il l'a embauché il y a quelques mois grâce au programme de travailleurs étrangers temporaires. Le problème, c'est que le programme a été suspendu il y a une semaine. Pour le moment, cette cuisinier va arriver, va rester le temps, possiblement, que tout ça s'arrange. Moi, je vais m'occuper de lui, lui trouver un logement, bien sûr, des choses faites déjà. Je vais quand même contribuer à ses dépenses pour le moment. Et vraiment avec l'espoir que tout ça s'arrange dans le plus bref délai. 2 heures plus tard, Grégory Piquet franchit la porte des arrivées. Il est passé à l'immigration et en est ressorti bredouille. Vous êtes au courant de la mesure qu'il y a présentement oui, du gouvernement fédéral? Oui. À l'origine de ces difficultés, les enquêtes entourant 3 franchises de McDonald's en Colombie-Britannique et un restaurant en Saskatchewan. Des employés canadiens se sont plaints d'avoir été remplacés par des travailleurs étrangers venus en vertu du programme de travailleurs étrangers temporaires. C'est pour ça que le gouvernement fédéral a décrété un moratoire sur ce programme dans le secteur de la restauration. C'est comme si le gouvernement décidait d'empêcher les gens de conduire parce que certaines personnes ne respectent pas le code de la sécurité routière. Inutile de discuter, le sort de Grégory est irréversible. Il doit reprendre l'avion pour Paris en soirée. Le 3 mois de séjour, c'est comme visiteur. Exactement. Nous, on ne le fera pas travailler, c'est sûr. Ça, on le savait. Lui, il le savait aussi. Oui, mais c'est la décision de l'agent de l'immigration. Excusez? C'est la décision de l'agent d'immigration à savoir si monsieur peut rentrer ou non comme visiteur, puisque ce n'est pas le but premier du voyage. Grégory Piquet avait pourtant appris l'existence du moratoire il y a 2 jours. Mais comme il avait déjà abandonné son emploi à Paris et acheté son billet d'avion, il a décidé de tenter sa chance. Déçu, là, quand même. Et de quoi? Mais bon, si je peux refaire une demande, je le referai. Bien pire que ça, sa demande est complètement caduque. Donc, caduque, c'est ça. Et finalement, si on veut, même si le programme revient en force, il va falloir refaire tout le processus. Et on sait qu'un processus pour faire tenir un permis comme ça, c'est 3 mois et plus. Le restaurant L'Atelier devra donc se passer des services de Grégory, du moins pour cet été. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.